Moi, je demande au gouvernement pour ne pas négliger rien. Pour toute institution, faire tout ce qui est possible pour année l'école qui a bien commencé et pour lui bien continuer jusqu'à ce qu'elle finisse en juillet 2019 avec examen officiel. Jodia, je vais annoncer nous que l'État fait tout ce qui est possible avec moyen de gagner pour aider maman et papa petit à voyager à l'école. Nous connaissons une période là difficile en pile pour maman et papa petit. Besoin en pile, mais moyen yo petit en pile. Malgré ça, l'État fait en pile d'efforts pour jouer un beau jeune moyen pour aider maman et papa petit à jouer un uniforme, kit scolaire et pour yon acheter livre pour tout le monde l'école. Mais plus passer 2 350 000 livres qui n'ont programme de subvention. Ça veut dire que l'État a payé 70% pour presque 500 000 livres. Pour tout le monde qui a pu bien comprendre, si un livre coûte 100 gouttes, maman et papa petit a payé 30 gouttes seulement. Mais tout, il y a plus passé 1 830 000 livres que l'État a bail élève gratis tiché. Maman et papa petit pas payé même une goutte pour 1 830 000 livres. Ça y est. Mais je demande à ces gens pour protéger les livres. Tant coup, on petit jouet qui remet en pile. Pour l'autre petit monde qui a joué un livre, pour aller à l'école dans l'autre année qui va venir. En plus de ça, l'État a payé l'école pour les gens qui ont fréquenté 2500 écoles nationales dans le pays. C'est 750 000 petits gens qui, dans la première à 6e année fondamentale, sans constitution à Mandel, qui ont bénéficié des programmes. Par un petit monde dans l'école nationale, ça y est, pas gagné une goutte pour le pays. Il y a un pile d'autres décisions que nous prenons pour aider les parents. Malgré ça, nous connaissons un pile d'autres parents qui sont dans une situation économique difficile. Mais les petits dans l'école, c'est une plus grosse responsabilité que nous gagnons. C'est un travail collectif, quel que soit le moyen que vous gagnez, pour tout petit monde qui est à l'école. Pendant toute l'année d'école, le gouvernement a continué le travail pour accompagner les parents, élèves et les professeurs. Nous avons une pensée spéciale pour les enseignants. L'État a fait un peu d'efforts pour améliorer les conditions de travail. Nous connaissons un peu de nous faire gros sacrifices pour nous bâtir les connaissances que nous avons besoin pour être capables de venir des bons citoyens responsables qui a contribué à développement du pays d'Haïti. Et ça a permis yo capable de travailler dans une société inclusive pour qu'on puisse croître la misère. C'est ça que fait nous-mêmes qui dans l'État, nous travaillons pour nous offrir tout Haïtien une éducation qui est plus bonne, qui peut répondre à progrès qu'a fait sur la tête. C'est ça que fait nous construit plus bonne école nationale, plus bon lycée. C'est ça que fait nous travaillons pour nous renforcer l'université. Nous voulons parler de l'université publique, c'est pour l'université privée. Nous tous connaissons, nous tous conscients que le pays n'a pas de changement. Nous tous voulons, si nous pas améliorer l'éducation dans tout niveau. Nous voulons parler de qualité et de quantité d'éducation. Je répète, l'éducation dans tout niveau, c'est affaire de tout le monde. Ce n'est pas affaire de l'État seulement, c'est affaire de la société civile. Secteur privé, secteur religieux, tout le monde à la ronde bade doit mettre main pour tout le monde à l'école, pour l'éducation, qui bon, qui adapté à des besoins société. Toujours dans ce qui concerne entre l'école là, yon équipe télévision nationale d'Haïti, visitez ces 3 éditions vendredi 31 d'août là. Objectif là, c'est pour joindre information sur quantité et qualité ouvrage maison édition ça a imprimé dans cadre programme subvention manuel et scolaire. Nous invitons suivre Kant Andy à René d'Orléans et puis l'Aurore d'Arlie Jean-Jacques. Après lancement appel d'offres ministère éducation nationale et formation professionnelle qui est lancé dans la date 19 mars 2018 là sous question subvention livre et scolaire.
Mon nouveau manuel de grammaire française pour classe 5e à 6e année fondamentale. C'est ouvrage Sayo, c'est 3 éditions déjà préparées et puis mettez disponible dans plusieurs librairies à travers le pays pour permettre aux parents qui parlent un gros moyen acheter pour petit. Nous faisons notre part, à savoir aider l'État, mettre les livres à la disposition de Timoun qui sont pauvres dans tout le pays. Et c'est motivation citoyenne ça qui expliquait que en dépit du fait que nous jouons un petit contrat, mais nous respectons très bien. Nous avons 40 000 livres pour nous faire dans le manuel 6e année. Nous avons 40 000 livres pour nous faire dans le manuel 5e année. Et l'État paye nos livres à 70%. Ça veut dire que prix normal livre là, ça est 6e année, 5e année, prix normal c'était 220 gouttes, on y a nous vendu 66 gouttes. 6e année, prix normal c'était 302 gouttes 50, on y a nous vendu 91 gouttes parce que l'État payait 70% pour les gens qui pas capable. Dans l'idée pour éviter les actes piratage, côté plusieurs individus souvent fait copie manuel scolaire sa yo pour y vendre acte parent yo, PDGC3 édition 1, Fred Buti, sollicité collaboration directeur l'école yo, qui doit exiger Timoun yo présenter livre original yo dans salle classe yo. L'on pas accepté que Timoun nan li pas respecté un livre. Timoun nan gen doit pas gen moyen pour gen livre là. Nous d'accord. Mais nous pas droit encourager que un Timoun a pas acheté livre photocopié. Et c'est ainsi que je pensais que l'État fait un bel effort, il paye 70%. Un livre qui était vendre 400 gouttes, il vend 91 gouttes. Donc, avec effort ça, je pensais que c'est tout le monde pour qui encourager pour subvention bien passée à Nissa, parce que dans plus l'effort, le ministère l'a fait tout en ce sens. Ces 3 éditions, déjà, il y a 7 années depuis la fonctionner. Mais ces premières années, mes éditions ont participé dans le programme subvention manuelle scolaire d'après PDGA, Fred Brutus. Nous avons fait un coup de pied dans le département centre pour nous faire connaître une messe à l'action de grâce chantée dans la cathédrale Immaculée Conception Inchelan, jeudi lundi 3 septembre, pour marquer rentrer l'école là. Cérémonie traditionnelle, ça, c'est au département centre. Rencontrer avec parents et puis élèves qui sont de divers côtés dans le département ça, une façon pour sensibiliser yo sur le comportement yo doit adopter pour année académique là. Rodney d'Orléans avec Darly Jean-Jacques pour un extrait. Toutes quatre techniques direction départementale d'éducation du centre. Vous posez mon question qui est vraiment excellente. Jeudi à ce 3 septembre 2018, c'est rentrée scolaire 2018-2019. On a planifié rentrée scolaire là. Et pour la vérité et pour l'histoire, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, à travers responsable, dont le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, qui sont administrateurs nés, il fait un pile sacrifice, il franchit un pile pas pour que et rentrée scolaire ça soit capable de faire selon des idérata ministère là. Donc c'est avec joie, avec engagement, avec plaisir que là, dans la cathédrale Immaculée Conception de Hinche, côté que n'a assister à Messe Saint-Esprit, traditionnelle Messe Saint-Esprit, côté que ouais, l'église a plein à craquer, l'école nous invite pour nous venir délivrer un message en côté que n'a démontré par A plus B au carré en tant que serviteur public, nous-mêmes nous là pour nous accompagner jeunes, nous là pour nous accompagner élèves, apprenants, parce que c'est eux-mêmes qui appelés pour assurer la relève avec compétence, honnêteté, dignité, science, conscience et professionnalisme. Office national assurance vieillesse, ONA, dans tête collée avec ministère affaires sociales et travail, et puis ministère condition femme et droit femme, remettre vendredi 31 d'août là, chèque et produits alimentaires, by ti maman qui était victime du fait marché Hippolyte et marché du port. Directeur général ONA, Chesnel Pierre, expliquait activité sa réalisée dans objectif pour permettre machin yo reprendre business yo et puis joindre yo moyen pour voyer timoun yo l'école dans occasion ouverture académique 2018-2019 là. Yon extrait dans micro Luinel Jean-Louis ak l'Aurore Darly Jean-Jacques. Ouverture année scolaire là. Nous connaissons que situation difficile. Mais gouvernement dans toute sphère, dans tout niveau que le gouvernement y est, eh bien, tout le monde
mettre au travail pour être capable d'aider les parents. Dorchelis family. Sa foi, etc. Si ça n'a besoin pour nous manger la butine, non, si comme ça, chaque monde a recevoir 20 000 gouttes de comme assistance ou comme allocation, on a, ça permet de faire une petite relance économique pour puisser se débouler que Jean, maître de cérémonie de ville, mes criminels, et mes parents en difficulté. Pour nous parler un côté président de la République, la Jovenel Moïse, inauguré vendredi 31 août, il y a un centre de formation professionnelle moderne dans la localité Momon, commune Inche. L'école professionnelle a une capacité pour recevoir 3000 étudiants grâce à un financement Banque Interaméricaine Développement BID pour une valeur 5 millions de dollars. Chef l'État a expliqué la mise en place l'école professionnelle Sahayo visée permettre le secteur éducatif de jouer un rôle dans la société. Un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Aël Duvernay. Après Trou du Nord avec Ville Jacmel, Inche, c'est le troisième côté président républicain Jovenel Moïse inauguré un centre de formation professionnelle moderne. L'école professionnelle ça a trouvé dans la localité Mamon. Il est construit sur un terrain 27 050 m2. Dans l'espace ça, étudiants ont bien chance d'apprendre 35 qualités métiers dans 7 filières. Centre professionnel ça, c'est un instrument nous gagne en main nous pour nous travailler, pour nous changer condition la vie nous et permettre qu'a gagne une autre figure, une autre destin, une autre image. Avenir nous, c'est dans main nous qui est désormais. Moun pa ka décider pour nous qui ça pour nous faire. C'est nous-mêmes qui pour choisir dans qui direction nous voulons mener tête nous. Pour qui métier nous gagne talent, à qui ça nous voulons apprendre. Éducation, c'est une priorité administration, président Jovenel Moïse. Là. Plusieurs autres écoles professionnelles constables elles continuent à l'ouvrir dans l'autre département en d'un pays. Chef l'État a expliqué, mise en place l'école professionnelle Sayo, visée par le secteur éducatif là, vraie place li dans la société. Là. Tout le monde connaît vision. Un pays côté. Éducation doit jouer, Wall doit jouer. Pas de pays sous la terre pour vous changer. Pas de société spontanée, sous besoin de société plus bon dans 25 ans, c'est qu'on y a pour nous commencer. L'école professionnelle, ça, qui a eu 3 millions de monde, c'est pas nous qui allons bénéficier de lui. C'est la génération qui va venir, qui va bénéficier de bien-être, ça. L'école que nous construisons pour nous quitter pour eux. L'école professionnelle côté, encore dans nos oreilles, j'ai écrit pour me dire, est-ce que mécanique là-bas là, parce que lui connaît, pays a pas doté de 95 bureaux à ranger, les tracteurs agricoles à travers tout le pays, qui est-ce qui va le ranger, si pas un monde qui a formé dans l'école professionnelle? Bâtiment ça a la donne, 5 blocs d'apprentissage qui ont recevoir environ 3000 étudiants. Salut tout équipé avec matériel moderne qui a aidé les étudiants à faire pratique pendant la formation. Centre formation professionnelle et technique Hinchland joue un financement Banque Interaméricaine Développement pour environ 5 millions de dollars. Ministère Communication recevoir vendredi 31 août la coordonnatrice générale programme national cantine scolaire Fanez Laguerre dans occasion 5e journée conférence spéciale ministère dans cadre rentrée l'école là. Dans intervention le coordonnateur pour un total 1190 l'école qui a bénéficié programme national cantine scolaire pour année académique 2018-2019 là d'après coordonnatrice générale PNCS là Fanez Laguerre. Dans l'occasion 5e journée conférence spéciale ministère communication vendredi 31 août là, Fanez Laguerre renouvelé engagement pour continuer à accompagner élèves pour faciliter aux jeunes une place dans l'école. Sous l'ordre instruction formelle président de la République là, qui c'est excellent Jovenel Moïse. By l'ordre pour PNCS continuer à accompagner parents
petit monde, maman, petite, directeur, directrice d'école, dans tout. PNCS est arrivé à couvrir 273 110 petits mondes, 875 l'école. Nous sommes capables de dire, dans la Tibonite, tout est 26 363 petits mondes avec un effectif de 73 l'école. L'Ouest, nous avons 78 146 petits mondes avec 182 l'école. Pour l'année 2018-2019, là, nous décidons d'ouvrir 350 000 timons avec un total de 100 190 écoles pour tous 10 départements pays. Puis loin, la coordonnatrice générale a expliqué qu'il y a une perspective de divers projets pilotes qui visaient à dynamiser la question cantine dans le pays, à renforcer la capacité institution, à améliorer la qualité de service et profilio, et puis permettre de mieux manger dans de bonnes conditions hygiéniques. Nous avons sacré les snacks les matins. Nous parlons de snacks les matins. Nous parlons pour que les gens qui sont dans la zone reculée, les gens qui ont marché une heure, deux heures de temps pour arriver dans l'école côté OEA, nous estimons que les gens qui ne pas arrêter de manger 11 heures, que c'est plat chaud. Dans la zone vulnérable, nous décidons de faire des gens qui ont accès à ces snacks. Ça nous relè, yon cassave avec mamba, yon pain beurré, yon chocolat, yon acassan, bonbon sirop, sam sam, et la prière. Ça c'est bon manger créole pas nous. Nous décidons de venir avec sacré les jardins scolaires. Nous faisons études, nous faisons état des lieux dans tous les départements pour nous faire ti moun yo. Apprendre à planter les légumes, fruits que y a mangé dans la cour l'école yo même pour ces mêmes fruits, même légumes yo planté yo, yo gen accès pour manger. Nous dit nous venons avec sacré les services de santé et nutrition, clinique mobile scolaire. Coordonnatrice générale PNCS a invité tout partenaire national tant qu'international qui travaille dans les affaires cantines dans le pays pour rejoindre nous dans PNCS dans l'objectif pour faciliter plus de monde à manger qualité dans bonnes conditions. Il m'a demandé collaboration avec l'école pour jeunes manger tout bon fruit. Merci Rachel. Dossier sécurité, 16 arrestations, 4 véhicules avec 16 kg cocaïne confisqués et puis 3 armes saisies. C'est bilan opération agent police nationale d'Haïti réalisé pour mois d'août là. Moun la police arrêté yo gen accusation viol, vol ak zam et puis trafic drogue qui pesait sous doyo d'après porte-parole institution policière Michel-Ange Louis Jeune. Pendant série opération sa yo agent PNH yo rivé krasé yon réseau gang qui est spécialisé dans voler machine, côté yon rive saisi matériel tant que zam, machine ak yon quantité plaque machine. En suivant extrait dans micro, Esaïe Aurelius ak Wilson Idore. 327 dollars US et 232 455 gourdes. Et yon arrêté 16 moun, dont 4 filles, et dans 4 opérations yon, et sur mandat international qui gen yon moun ki yo te arrêté et yo transféré aux États-Unis. Et dans la nuit, pa yo te jwenn yon zam. Et gen policier Evnou Mesidor qui arrêté dans 4 dossiers ça. Evnou Mesidor c'est un policier 14e promotion mais qui révoqué dans la police là pour mauvaise affaire depuis en janvier 2018. Tout récemment, les rivières révoquées. Comment gang ça lui-même lui opéré? Et il y a plusieurs plaques véhicules. Alors, les policiers lui-même, il pas seul monde qui était dans l'action ça, il y a plusieurs autres monde avec elle, que jusqu'à présent la police a cherché. Et comment gang ça a opéré? Il y a plusieurs plaques. Il a opéré dans la frontière haïtiano-dominicaine. L'air a sorti en Dominicanie, ou bien il a rentré. Ils ont utilisé une plaque diplomatique. Plaque diplomatique là parce que ils connaissent pertinemment, donc pas un policier qui a arrêté pour fouiller pour poser aucune question. Ils ont utilisé plaque diplomatique. Si ils sont en Dominicanie avec une machine, ils volent. Ils ont venu à Haïti avec elle, ils ont utilisé plaque diplomatique. Ils ont fait traverser la frontière,
yo utilisé plaque service de l'État. Yo utilisé plaque service de l'État. Yo mette JOFA son façon que pour qu'a passer inaperçu. Et c'est gang ça que BLVV rivé commencer à arrêter moun la donne et au fur et à mesure qu'a privé démanteler. N'a pris un coup de pause dans le journal là, reste information et c'est pour tout de suite après. Dans la page internationale, il y a un gros défi éclaté dans la mise nationale Rio de Janeiro. Hier dimanche 2 septembre, bon 7h30 dans souhait. C'est 200 ans histoire, travail et recherche pays Brésil qui disparaît dans le défi ça, qui n'a fait aucune victime. D'après le président brésilien Michel Temer, qui fait qu'on est, c'est un jour tragique pour le pays Brésil. Mise Rio de Janeiro a quitté l'ouvri dans l'année 1818 sous Rei ou Agent 6, t'es posté pièces qui chargeait avec valet. Dans le sport, n'a pas le football sous plan local. Équipe cosmopolite l'a bat Racing Football Club de Gonaïves. Yon gol à 0 dans le match ouverture série clôture championnat national de première division qui démarre samedi 1er septembre 2018 dans le stade Cédio 14. À l'étranger, Barcelone crasé USK 8 goals à 2 hier dimanche là dans la 4e journée championnat d'Espagne alors que Real Madrid bat Leganés 4 goals à 1. Et c'est sur notre taille aux amis téléspectateurs, nous mettons un bout dans le journal là pour aujourd'hui. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon mois septembre et bonne semaine tout le monde.